Donc, aujourd'hui, on a continué avec question de discrimination. Donc, t'es fait un bon aller semaine qui s'est passée là, dans semaine qui s'est passée là, sous question de discrimination. Et nous connaissons que discrimination, ça fait que nous étions en pile sous lit, nous avons tous petits détails dans discrimination, c'est parce que son sujet qui est très à cœur dans la communauté ça. En tant que noir, en tant que haïtien, en pile monde subit de questions de discrimination. Il est important pour que on connaisse qui droit qu'on gagne, qui ça que la loi et qui droit qu'on gagne, qui privilège que la loi bah ou. Puisque discrimination n'est pas faite, même j'en ai qu'on fait longtemps ouvertement, mais une discrimination qui est faite de manière subtile. De manière subtile. Donc, ça veut dire qu'il faut que ou connaît qui le que ou gon caisse. Et nous te ouais en pile type de discrimination. Nous te ouais discrimination dans le travail, côté que nous ouais question de discrimination au point de vue de l'âge, nous ouais discrimination au point de vue de race, nationalité ethnique, nous ouais discrimination tout. Sous question de religious discrimination et dans le travail, le fait que ou une religion qui dit que ou qui bon possibilité pour que ou pratiquer activité religieuse ou non jour, est-ce qu'on travaille non jour ça, notez ça déjà, notez font bon aller sous les. Il y a une discrimination tout au point de vue de disabilité que noté ouais noté ouais toute discrimination au point de vue de parental leave qui doit ou gain dans Massachusetts pour que ou gain ça les parental leave. Donc je dis à n'a continuer avec un autre type discrimination, c'est ça les sexual harassment, c'est ça les sex discrimination, sex discrimination. Et dans le travail, et puis sexual harassment qui sont formes de sexe discrimination. Donc, en Massachusetts, qui est fédéral là, mais Massachusetts lui-même, dans General Law 151B, chapitre 51B, lui, vous savez, lui bannit question de sexe discrimination, et puis bannit toutes ces questions de les sexual harassment. Avant que nous commencions, faut une petite définition, définir ce qui s'entend par sexual harassment. Il y a deux types de sexual harassment. Il y a un sexual harassment qui est le quid pro quo, et puis il y a un sexual harassment qui est le hostile work environment. Et puis, il y a tous les deux qui sont faits de manière indépendante, il y a tous les deux qui sont faits ensemble. Tout. Qui ça crée les quid pro quo hein? Quid pro quo, soit son nom latin. Quid pro quo avait dit que bon ça bon ça donc avait dit que son quid pro quo donc son et son sorte de et avance en sexual advance ça veut dire avait dit en faveur sexuelle que mon amando ou il est capable de faire verbal capable de faire physique ou bien tout il est capable et là que sexual advance a fait, dès que moun si moun li rejeté et moun sa li capable prend dans sa relé gen conseil de conséquences pour ça. Donc un conseil de conséquences si que moun li pas respect li pas soumettre li avec sexual favor ou bien avec ça les coups de poucou. Donc premier bail qui gagne c'est que mon li font ça le sexual on li fait ça le on sexual request savoir que li dit carrément ou bien de manière explicite ou bien implicite on est capable de dire un petit mot one et que le besoin bagaille et puis ou même tout qui monde qui recevoir sexual harassment savoir que monde ça li montrer que et que harassment li wel li unwelcome. Unwelcome nan avè di ke li pa akyeyil.
Parce que par exemple, on est capable bon, faire un sexual advance sous de A, ça qui passe là, on a mis album vert, on va aller comme ça. Et puis, bon, et puis, ou même, si que, ou d'accord, ou accueillir, ça, pas de sexual harassment, puisque, ou d'accord, mais, qu'on y a là, c'est si qu'on y a là, ou pas d'accord. Ou bien tout, si que, ou d'accord, c'est parce que, ou peu, ou bien ou d'accord à cause que ou peu pour que si ou rejeté advance là, si ou rejeté demande que moun nan fè, si ou connaît que ça capable faire perdre job ou ça capable faire une série de conséquences qui va venir. Avait dit que laisse ça qu'on y a là, gain ça relé et sexual harassment coup de poko. Ça voit que on nous reprend ni encore. Coup de poko, c'est ça, c'est une sorte de faveur, une sorte de bam ça, ma bossa. Coup de poko. Donc, gain coup de poko, là que mon enfant, ça, on demande de faveur, ou bien on demande de sexe, mon grave de A, un alponti vert, un fronti, et puis, ou même, qui pour capoter plainte là ou même faut capable montrer que ou pas d'accord avec elle ou bien si que ou t'es venu d'accord avec elle ou t'es obligé faire à cause que ou connaît pas peur puisque ou connaît que ça capable mener ça capable faire perdre du job ou ça capable faire que ou gain des conséquences mais si que point que qui voulait démontrer là c'est que si que ou t'es d'accord ouais, avec dit que c'est bah, deux adultes qui consentent, à savoir là pas gagné sexual harassment, à savoir là pas gagné coup de poko. Donc coup de poko les capables faire tout soit un employé et c'est là que employé à tout les gains ça relé les gains autorité. Est-ce que employé savoir que coup de poko est capable fait par un employeur on employé qui est-ce qui est employeur hein? Qui est-ce qui travaille là qui est employeur est capable son superviseur ou bien tout est capable c'est on l'autre employé superviseur faut capable montrer que les gens ça les autorité même s'il pas gain autorité les gens ça les apparent autorité ou bien tout employé à moun qui subit harcèlement, li connaît que moun sa li gen autorité. Donc c'est le ça qui gagne et ça relé sexual harassment. Pas oublier que nous te dit que gen deux types de sexual harassment, ça les coup de poko sexual harassment, gen ça relé tout hostile work environment. Hostile work environment là veut dire que on atmosphère de travail qui est ça les hostile qui gagne ça les qui ont des gens dégoûtants on atmosphère de travail qu'on pas tolérer on atmosphère de travail ça veut dire que mon enfant on sexuel harassment ils font un advance sexuel ou bien ils font un advance sexuel ou bien maillon le français de bagarre mais ça vient créer une situation li vient empêcher que au travail les empêcher que travaille les ont gens qu'on y a vini interférer avec performance dans travail à savoir que ou capable qu'on y a performance travail ou bien à cause de intimidation ou bien à cause de humiliation ou bien à cause de sexuality offensive nature à savoir que et faut monde capable montrer tout même j'ai un coup de pourquoi que li t'es subject de on sexual nature on conduct avait dit qu'on conduite sexuelle ou bientôt on faveur que mon mando ou bientôt que mon li mandon bagay li font bagay et puis ça li t'es vraiment unwelcome li unwelcome na avait dit que c'est pas dans bagay côté accueilli c'est pas dans bagay que ou te permettre. Et si ou te permet li, c'est même gentou, ou te permet li, c'est parce que ou te peur ou bien ou pas ou te peur de conséquences ça bral gen sou job ou qui fait que ou te accepte.
Donc, il faut capable montrer que faut capable montrer que gens que nous disons là que son bagage que ou pas d'accepter. Si que son bagage qu'on accepte, qu'on est d'accord avec que ou t'es venu accepter, ça veut dire que ça c'est deux adultes consentants, savoir que là qu'on y a là pas gagné sexual harassment. À savoir, et n'a développé ça plus devant toujours. Et puis, Kounia, en pile question à poser, Kounia, on peut demander qui est que conduite là, li vraiment, ça allait créer une sorte de atmosphère qui hostile. Une sorte d'atmosphère qui est dégoûtante, qui leur crée une atmosphère qu'on n'a pas tolérée. Parce que pour capable montrer que les créer une atmosphère qu'on n'a pas tolérée, il faut capable montrer que non seulement au point de vue subjectif, mais au point de vue objectif. Savoir que c'est tous les deux en même temps, les subjectifs, les objectifs. Ça veut dire subjectif là. Subjectif là veut dire que moun nan fon bagay, mais ou considérez que ça le fait à li antijan offensive. Ça le fait à pour même li pan bagay qui normal. Savoir, on nous dit par exemple, ou son moun qui pas habitué avec un moun qui kapre l'oti chéri. Donc, on a essayé bon pile pour ça. Ouais, moun nan a ti chéri ki jan e. Donc, moun nan koun ya, li gen wa offensé pour ça. Li gen nan, puisque l'pa habitué moun rele kon sa. Moun nan, subjectivement parlant, moun nan considéré ça comme on conduite sexuelle. Savoir que moun nan, ou nan travail, ou son superviseur, moun nan rele a ti chéri ki jan e la. Et puis, moun nan prenne de manière subjective. Subjective avait dit que, ou considéré que, moun sa ke moun nan djou la, ou bien moun nan djou honi, sa k passe, ou bien moun sa ke moun nan djou la, de manière subjective, ou considéré que l'on te jan offenso. Mais est-ce que, objectivement, est-ce que son mot qui offense moun? Savoir que, et pour capable montrer que son, de manière objective, pour capable montrer qu'on y a là, est-ce que un moun raisonnable capable de comprendre que c'est mon nom du ti chéri, c'est avait dit que mon nom gomba aide tête li, c'est que mon nom l'état voulait entrer dans cette relation avant. Avait dit que subjectivement parlant, sorry, objectivement parlant, ça on mon cap dit bon, li pas quoi ou pas quoi que un monde qui raisonnable a ta supposé offensé parce que mon nom du ti chéri. Donc avait dit que même si que au point de vue subjectif, mon nan li offensé pour ça, mais puisque objectivement parlant, li pa vraiment make sense, li pa vraiment make sense pour mon offensé par ça, savoir que là pa gen harassment. On nous dit tout par exemple que mon nan capable mon nan capable dit on nous dit par exemple et on superviseur, ça son cas qui fait tout bon, on superviseur qu'on y a là qui relaie au employé. Si je vous avais dit, en allant meeting, non, avait dit que l'app font review, puisque conseil de rapport, de review, chaque année, qu'est-ce que vous avez fait sur l'employeur, il dit employeur, année ça m'a fait rapport ça, puisque faut me poser des questions, bah, comme ça, on a fait le nom hôtel. Donc, employeur, il est capable, subjectivement, il est capable offensé par ça. On interview pour la fête dans l'hôtel. Donc ça n'a pas de sens. Avec du subjectivement, l'emploi capable de sentir l'offensé, capable la grosse sorte de harassement. Et puis, deuxièmement parlant, est-ce que qu'on y a là, objectivement parlant, est-ce que un monde qui est raisonnable, capable de penser que make sense pour inviter un monde à aller dans l'hôtel pour la faire en meeting. En meeting de review. Ça veut dire, en pis, on a pensé que là, il y a un harassement. Là, en pis, on a pensé, yes, ça pas make sense. Il pas make sense de manière objective. Il pas make sense pour que c'est là pour aller faire un meeting. On va faire un meeting dans l'office, on va faire de l'autre côté, mais pas dans l'hôtel. Donc, à savoir que si deux bails sont réunis, laisse ça qu'on y a là, gain ça aller
harassment. Donc, et puis, l'autre bail qui important, c'est que faut que harassement, faut que li, faut que conduite là tout, conduite là son conduite avant même sur ça, bon question tout le monde qui va poser, peut-être moi qui va poser, est-ce que harassement sexuel là, li obligé son seule action ou bien c'est plusieurs actions? Une seule action ou bien c'est plusieurs actions que vous avez fait plusieurs fois et c'est ça le harcèlement. Non, il n'est pas obligé en plusieurs actions, les gars capables sont grande action, les capables suffit pour que vous portez plainte de sexual harcèlement. Toute question elle dépend de qui conséquence action, de qui gravité action, de qui, parce que faut analyser action pour voir que est-ce que un seul là suffit ou bien est-ce que la mérité gagne plusieurs. Ben, ou pas nécessairement besoin de plusieurs pour que plusieurs actions pour que gain sexuel harcèlement. Et puis l'autre ça qui est important encore, il faut que conduite là tout son conduite qui interfère, à savoir que qui entrer, qui empêcher que employé li performer job li correctement. À savoir que on conduite en savoir que faut montrer que et conduite là et c'est ou bien mon li perd du job li ou bien job li suspend ou bien tout li yo pas mal promotion que le tabay là, mais ça pas nécessairement pour sa fête. Savoir que il faut capable montrer mais qui ça le fait que ou pas d'accord mais qui ça crivo et mais même si ça pas crivé, si que ou capable pour ton plainte de sexual harassment, même si question ça va arriver, même si ou continue à travailler dans la compagnie, même si dans la mesure que ou capable prouver li, ou capable dans la mesure que ou te continue à compagnie, ou te la compagnie toujours malgré que pas de gain en action en adverse qui t'est faite contre ou capable gagner caisse. Donc sexual harassment. Et puis l'autre bail qui est important tout, c'est que sexual harassment les capables faire tout sous tous les deux sexes, savoir que les capables faire en fille en garçon, les capables faire garçon en fille tout, parce que ou capable bon superviseur qui c'est en fille alors que employeur lui même son garçon, superviseur fille à tout capable faire tout sexual harassment tout sous garçon en tout, et même gens tout les capables faire sous sexe de même sexe tout. Les capables tous ces garçons à garçon, ces filles à filles qui capable ou capable gain sexual harassment. Sexual harassment capable fait de deux gens. Savoir que gain sexual harassment tout qu'on y a qui capable fait tout sous question de en dehors de travail là, en dehors, les pas nécessairement que c'est en dehors de travail là pour le fait, les capable fait en dehors de travail là. Les capables fait outside of workplace, savoir que en dehors de travail là, les ou t'es capable c'est non club par exemple pour aller et puis ouais on emploie ou en superviseur et puis superviseur a les commencer et font série de advance, font série de et de mandons, série de faveur sexuelle. Donc les pas nécessairement pour que c'est en dans travail là pour sa fête. Et puis ça qui est important encore, c'est que et notez ça déjà, question de il faut que superviseur gain et qu'on gain ça les autorités ou bien les gens ça les direct autorité ou bien ça les apparent autorité. Apparent autorité avait dit que li semblon moun ki gen autorité, même le que superviseur pas gen autorité en fait non, mais puisque employé a pensé que li gen autorité, donc gen sa rele gen et employeur ça va de travail là capable responsable. Et ça qui important encore, c'est que travail la capable responsable. Et puis mais c'est pas seulement employeur seulement qu'on a posé une question, est-ce que c'est superviseur seulement qui est capable responsable?
Non seulement un superviseur, mais un co-worker. Superviseur à lui-même, gen sa relon vicarious liability. Ça veut dire ça que le vicarious liability a. Vicarious liability a veut dire que d'après la loi, action superviseur a li tombé directement sous employeur. Même si employeur pas de connaît ou pas puisque c'est un superviseur qui fait, il est tombé directement sous employeur. Mais en ce qui a trait connu avec co-worker, puisque on co-worker tout on monde capable porter on claim de sexual harassment parce qu'on co-worker fait. Qu'est-ce que on co-worker veut dire que même on employé qui dans même niveau avant qui dans même situation avant qui peut même dans pire pas même qui gien doit la harassol la foncer de la prononcer on des sexual faveur la proloti chérie la prononcer la dire une série de mots ou capable porter en action contre emploi contre co-worker non seulement ou capoter le contre co-worker hein, ou capoter le tout contre employeur à toi savoir que ou sous tous les deux en même temps savoir que ni co-worker ni employeur ni travail là travail là lui-même qui ça que travail là pour le déterminer travail là il faut que travail là déterminer est-ce que l'ité connaît ou bien est-ce que l'ité supposé connaît savoir que est-ce que travail là t'es connaît ou bien est-ce que travail là t'es supposé connaît à savoir que si le travail là si que les employeurs t'a force ça ou t'es porté ou t'es dit en superviseur ça ça avait dit que superviseur au courant travail là au courant. That's it. T'as au courant puisque les connaît. Ou bien tout, l'autre bail qui est important, c'est que même le que travail là, pas au courant, non? Mais est-ce que conseil de action, conseil de bagaille, conseil de bail corps que t'as fait, t'as fort, est-ce que travail là t'as supposé au courant? On nous dit par exemple, et bon. Conseil d'employé qui te compte bah là et puis qui mettait ça au cours qui passait des mots ou bien est-ce que tu as une sorte de suspicion ou bien est-ce que travail là tu as supposé au cours dès que travail là tu as t'es au courant ou bien tu as supposé au courant donc travail là responsable non seulement corps cœur est responsable mais travail là tout responsable à savoir que en tant que employé ou gen intérêt ou absou ou sou non seulement co-worker ou sou travail là tout puisque c'est l'argent c'est dans travail là que l'a sorti puisque pas oublier que les que ou gagne on caisse de harcèlement les que ou gagne on caisse de discrimination ou grand award que ou grand dommage intérêt ça dépend tout de qui ça relève des conséquences en psychologique des conséquences émotionnelles que bah ça fait sur vous ou capable gagne plus et gain plus dommage gain plus award donc les que vous sont ni employeur ni co-worker donc mais nous dit superviseur nous dit co-worker mais dans l'autre bagaille tout savoir que on travaille capable responsable d'où non seulement à cause de superviseur à cause de co-worker mais capable responsable tout à cause de même client à cause de même c'est son l'hôpital ou bien si son clinique capable responsable tout à cause d'un patient on nous dit par exemple que ou gon travail ou son employeur ou gain un secrétaire qui dans office et puis gon client qui vient cap harasser secrétaire là à harasser secrétaire alors que ou connaît ça ou bien on te connaît ça donc à savoir que employé ça secrétaire ça qu'on y a qui t'a subi sexual harassment de client les capable sous non seulement client les capable sous travail là tout ce travail là est-ce que qu'on y a toute question qui va le poser qu'on y a est-ce que travail là tu es au courant est-ce que travail là secrétaire dit travail là ça ou bien ce travail là tu un petit mot de ça est-ce que tu es fait devant un superviseur. Est-ce que tout bail ça ou bail là? C'est ça qui fait que on employeur ou supposé vraiment strict ou supposé vraiment très très rigide sur question ça, même là que c'est pas seulement employeur seulement non, même on client, même on patient, même l'autre monde qui vient dans office ou, les capable
créer les capables qu'on y a une méthode un problème avec emploi et port. Donc on dit qu'on suppose très ferme sous question ça. Et dès que ça a passé devant, il faut que ou capable et prend des dispositions qu'il faut. En ce qui a trait avec des dispositions qu'il faut, puisque c'est un sujet qui est assez vraiment large, nous pas vraiment capable d'entrer dans tout détail, mais nous avons des grandes lignes. Mais les que employé à Kounia, les porter et complète de discrimination contre employeur. En sexual harassment, ne pas oublier que nous devons faire des coups pour que sexual harassment, nous avons hostile work environment, nous définissons tous les deux bases ça déjà. Mais et puis employeur, l'État fait qu'on est que à nous dire employeur exemple que on superviseur mais on coworker qui fait on complainte qui font sexual harassment contre lui, qui demande de sexual favor, qui défonce de conduite sexuelle et puis contre lui et puis les bah ça t'est unwelcome, les pas accepter et puis puisque pas accepter lui, ils ont pris en mesure contre lui, ou bien au fire ou bien il y a pas de ballon promotion ou bien s'il était en position ils ont démoli lui, à savoir que ils ont rabaissé non en l'autre position ou bien yo mette le de côté tout bail ça dès que le porter complainte là employeur a kounia libéral gagnent ça les possibilités tout pour le défendre tête li et dès que employeur lui même kounia est capable dit que décision qui te prend pour yo faire ou bien pour terminer employeur il pas de rien à voir avec ce sur l'harcèlement c'est ton décision qui était basée à cause de pour performance et employeur ça va qu'employeur il pas fait travail bien bah et comme ça c'est ça qui fait que tu terminé c'est pas ça rien à voir avec ce sur l'harcèlement kounia il faut que employeur faut venir avec des preuves puisque automatiquement que employé, living avec complainte là, puisque qu'on y a un burden of proof, ça le fardeau de la preuve tourne back sous employé, sous employeur, sous travail. Il faut que travail là lui démontrer que et que action qui fait sous employé a pas rien à voir avec ce sur l'harcèlement, son décision purement administrative, son décision qui purement qui pas rien à voir avec en question de faveur, question de sexual harassment, c'est juste à cause de performance employeur qui pas satisfaisant, qui fait que il était terminé. Qu'on y a puisque il vient avec des preuves qui va prouver ça, donc qu'on y a fardeau de la preuve là tourner back qu'on y a son employeur. Qu'on a faut employeur capable montrer que ça que employeur dit à son prétexte. Et il faut et ça que employeur dit à son prétexte lié et effectivement vrai c'est à cause de sexual harassment que ça fait qu'on y a employeur qu'on y a supposé qu'on y a venu avec l'autre preuve encore pour montrer que c'est juste sexual harassment qu'on y a automatiquement que et preuve ça vini devant hearing officer qu'on y a supposé prend en décision supposé qu'on y a là qu'on est qui décision que la prend sous question mais toute question il faut que chaque partie a bien possibilité pour venir avec des preuves. Et yon nan bagay qui important sous question de sexual harassment et d'après la loi Massachusetts là chapter 151B donc dès que gen on complète sous question de discrimination bien sous question de sexual harassment employeur li gen obligation pour li font menon investigation. Savoir que un employé pas qu'à porter plainte de discrimination contre employeur et puis employeur pas faire et ça t'a un manquement grave et si employeur pas faire son manquement qui est extrêmement grave
et si employeur si employeur li porton complainte avait dit que employeur li déjà gen kes la puisque d'après et loi il faut que employeur li mène en enquête rapidement. Donc dès que ou portez une complainte de sexual harassment, il faut que employeur li investigue, li connaît qui ça gagne au juste. Non seulement ça, la loi mande tout, il faut que travail là, faut que les mène enquête, il faut que travail là tout gagne ça relé en sorte de policier. On faut connait faut travail là gagne en sorte de policier, policier qui ça dès que on travaille gagne près de 1 à 6 monde. 1 à 6 monde. Ça veut savoir que faut on travaille là gagne policier qui pour dire mais qui ça que supposé faire dès que gon complainte donc dès que employé vient avec on plainte de discrimination qui ça est supposé faire, il est supposé prendre des mesures. Dès que on superviseur comme ça faut superviseur et faut informer boss li ça, faut boss qu'on est capable reler deux moun yo connait qui ça gagne et puis mais mandé en fond enquête pour connait qui ça gagne et puis gagne de loi tout qui mandé tout il faut que gen training qui fait tout gen training parce que sexual harassment son bagay qui tellement et on peut prendre très au sérieux dans travail ça savoir que gon training qui supposé fait gon éducation qui supposé fait dès que travail la gen plus que 6 moun gon training gen on éducation qui supposé fait sur sexual harassment savoir que qui ça que on emploi est capable dit et puis gen des actions pour moun éviter conseil de bail qu'est-ce que supposé éviter dans travail là tout bail ça et puis en plus de ça tout gagnent ça relé des affiches qui supposé là dans travail là qui pour dit que sexual harassment c'est pour bail que tolérer sexual harassment son bagaille qui pas gain tolérance avec dans travail là. Donc sexual harassment son bail qui extrêmement vaste, extrêmement complexe et puis gain ça le tout on sorte de retaliation. Retaliation là qui ça veut dire, ça veut dire que ou vienne porter une plainte de employeur au lieu qu'on y a travail là, il prend une série de mesures pour l'état mener investigation pour l'état foncer de bail qui ça fait qu'on y a là yo c'est ou même que révoquer c'est ou même qu'on y a qu'on prend action contre savoir que ça son deuxième charge encore les vignes yo les ça retaliation là avait dit que travail là il frappe au bac il frappe au bac savoir que c'est ça que les retaliation donc son autre charge encore en plus de complainte là de discrimination hein, yo ou capable pour tout ça l'autre de charge de retaliation contre employeur ça va voir que qui montrer que que non seulement li causer discrimination hein, savoir que sexual harassment mais en même temps tout li prend on mesure adverse contre ou même à cause que ou porte un rapport sur ça. Donc nous pas prêter trop nous quand nous font bon râler sous question aujourd'hui hein, sous question de sexual harassment et si gain question ou capable reler cabinet hein, cabinet c'est serviteur avocat Fred Lebrunville ou capable reler cabinet dans 617 448 60 37. Nous dit tout le monde merci et puis à la semaine prochaine.